Chers concitoyennes, chers concitoyens, la présence massive de la population dans les rues de la capitale ces 14 et 15 février pour dire non à la dictature me fait peur une fois de plus. Le refus exprimé de la déchéance des institutions vient s'ajouter à des dizaines de manifestations du genre depuis 2018. Ce message est envoyé à tous les secteurs et au monde entier, particulièrement nos amis de l'international qui soutiennent l'implantation de la démocratie dans notre pays. Beaucoup de chantiers à abattre nous attendent pour redonner au pays son vrai visage et le mettre sur la voie du progrès. L'un des principaux à mettre en valeur est la réalisation d'élections honnête et crédible, puisque nous avons fait choix de la démocratie dont nous revendiquons sans cesse le maintien. Il est temps toutefois que tous les acteurs comprennent, citoyennes et citoyens, que certains membres des chantiers spécifiques consignés dans l'accord du 30 janvier sont corollaires à la réalisation du chantier principal, les élections. Il s'agit de la tenue de la conférence nationale souveraine, du renforcement du pouvoir judiciaire, de la réforme constitutionnelle, avec l'implication de toutes et de tous, celle du système électoral, le rétablissement de la sécurité partout dans le pays, et toute autre action nécessaire qu'attend la société. Ainsi, nous parviendrons à la réorganisation du pays qui débouchera sur la justice sociale, la création d'emplois, la réduction de la pauvreté, notamment chez les masses urbaines et rurales. J'appelle toutes celles et tous ceux qui sentent couler dans leurs veines le sang haïtien, le sang des aïeux, à s'engager effectivement en réponse aux graves problèmes que confronte la nation. J'assume ma responsabilité citoyenne, comme vous aussi, vous devez assumer la vôtre. Je saisis cette opportunité pour présenter mes sympathies aux membres de la presse et tous ceux qui ont été agressés ces derniers jours. N'ayez pas peur, Dieu veille sur notre nation unis et solidaires. Des entreprises, ça, mais n'abdou, pas grand qu'un adoucir, pas adoucir, n'a continué mission jusqu'au bout, parce que Haïti vient vraiment, vraiment fragile. Moi, mes premières fois, ma liste son opération, bien que pendant ma montée, il y a des trois mondes qui ont fait un signe, quand c'était tourné, donc, on va arriver dans le bloc, comme tu fais un coup de tête monté, dans rue Saint-Honoré, on va le virer dans rue d'Henry pour être capable de passer devant la première église baptiste rue de la Réunion. Et puis, moi, j'ai un monde qui fait un signe, et puis, vous faites un geste là. Je me suis tête tournée, donc, j'ai jamais vu. Et pour ZAM, pour Jean, moi, monsieur, ça a équipé, guerrier, vraiment. Bah, et t'as un monde qui a besoin, et puis, vous solution pour pas arriver sous. Situation vraiment compliquée. C'est vrai que tu as gagné une semaine bamboche, depuis dimanche. Jusqu'à mardi, mais donc, on dit jusqu'à mercredi matin, mais bamboche là, tout bagaille convergé vers ville Port-de-Paix, mais capitale là, ou bien comme impression, capitale haïtienne là, nous t'es lagué pour compte nous. Nous lagué pour compte nous, donc, un pile monde victime sorti lundi, mardi. Et tout y a mercredi, tout y a mercredi. Et dernier, avait dit que côté, c'est l'homme vient comprendre que les amis ont fait me faire yo virer doit yo pour me faire U-turn là et puis moi gien des monde qui a caché des murs et puis c'est après me qu'elle apprendre que opération que t'a mené hein c'est opération contre citoyen ça qui toujours pratiquement dans Chavan là qui c'est Wagnel Félistin ensemble avec madame Lin donc ces amis radio les amis radio et mon yo que nous développer de très bons rapports puisque me qu'on fait achat même dans dépôt ça. Et puis c'est eux qui t'ont laissé enlever. Heureusement, Dieu merci, Wagnel lui-même, qui est en jeté lui, il va prendre madame dans une machine devant business là, mais vite l'a tenté, madame lui-même, il crabe quoi lui.
Bon, les messieurs ont allé vraiment énervé, les ont tourné, donc ils ont pas joué de mon mieux. Donc c'est une situation vraiment tête chargée dans le bloc Widenry ou Saint-Honoré dès le lycée tout seul ouverture la guerrière. Gros flamme sur Belle, gros après-midi. Oui, et même en bas la ville ça, nous apprendre bandi kidnappé Félix Alexis, ça passait hier mercredi dans rue des Miracles devant business li qui relait deux frères cargo. Donc monsieur yo en tout cas famille pas gagné nouvelle li depuis hier et bandi yo qui yo même déjà relait pour capable négocier rançon yo et l'autre cas qui attire le monde que la presse au courant parce que il y a plusieurs autres cas Pierre Renel que la presse est pas au courant ou bien famille yo capable de décider pas parler oui, parle oui c'est cas et avocate là et jeune avocate ça qui c'est Nacha Saint-Fleur qui lui-même kidnappé 16 février un pas trop loin la Kaili dans zone Babiole et d'ailleurs il conseille l'autre avocat Port-au-Prince qui mandé autorité la police pour agir vite une façon pour capable libérer avocat et l'autre cas c'est frère Edumé oui Abias Edumé mais qui selon information est après le réintégrer appareil justice là comme substitut commissaire gouvernement Tigouave parce que il était passé déjà croix des bouquets et était un petit problème dans juridiction Tigouave là il était metté li disponibilité mais il est après réintégré puisque il pas joindre rien vraiment contre lui mais bandi kidnappé ça passé dans tellement 19 sur l'information dans moment l'étape lavé machine bon flamme soleil. Oui, bon. Ben, n'importe là. Ah oui. Et pendant nous t'ai les yeux nous braqué sous port de paix côté Mounio, yo t'a participé dans festivité et carnaval yo qui déroulé dans port de paix selon premier bilan yo sans incident, kidnapping nan, les reprennent pour la plus belle dans Port-au-Prince pour espace 3 derniers jours ou grâce à yo parce que on disait moun hein, t'a joindre t'a kidnappé dans Port-au-Prince et parallèlement activité kidnapping sa yo nèg nan et Grand Avenue font démonstration de force côté yo débarqué nan commissariat ou sous-commissariat police qui nan zone nan yo boulé et yo franzam oui yo franzam oui yo kembe espace là pour le commissariat pas vraiment vos pipe tabac non en wal pas gagne une action que le capable faire et en fait sinon rité comme des parce que information que nous gagnons c'est pas tout policier ou vous et en ou active là aller vraiment ça décide aller ou je n'y entente entre eux même et souvent même uniforme il pas qu'on mette il va même mettre mais j'ai bandé tout et puis c'est en plus le monde dit qu'il peut son argent perdu oui. Donc si nous font commissariat et puis nous pas qu'à mettre équipe là dans non, non mais qui est ce qui va dire complète oui raconte qui est policier ça eux ne comprennent pas trop dans ton danger pour bandits oui c'est tout pas du tout pas si on décide couliard qui est dehors c'est que l'autre raison bien que c'est pour on signale voilà. Ouais. Mais Goulia, réaction la police en tout ça, un gros chat qui boulait, on dit la police qui boulait, oui, zone bicentenaire, et les gars rentrés dans le commissariat ou sous-commissariat grave, ils ont montré que c'est eux-mêmes qui chef zone là, et jusqu'à présent, pas en réaction de la police. Non, peut-être non. La police était concentrée toute force sur le bord de paix. Ils ont fait belle recette, oui, dans le commissariat grave, oui. Avec la grande surprise, il n'y a pas de bon effectif vraiment. Il n'y a pas de mot effectif, et puis, policier, c'était Géo et Bouchepé, il n'y a pas de rien que vous êtes capable de faire tout, donc, faut que nous, honnêtes, mettez 4 graines policiers, 5 graines policiers dans le commissariat Grand Avenue. Donc, vous mettez pour la forme, peut-être pour suivre les bâtiments. Mais, monsieur Grand Avenue, il semble avoir des informations qui t'a laissé comprendre que, monsieur, dans le sous-commissariat, ça, vous avez des relations serrées avec Chris là, on connaît de temps en temps un anti bifio et puis tu as même fait comprendre que bon plan macabre cap mariner pour ta fond vasouyo donc monsieur t'a regardé qui s'allier exactement mais c'est une révélation qui fait que yo joine des armes manche longue de grand calibre cap capable servir yo et monsieur dit journellement monsieur t'a décidé faire pays. Et donc, responsable Grand Avenue, il y a un décidé de faire pays, il est capable de faire des armes aussi, pays a fait, mais comme il y a des politiques qui ont fait chaque monde a géré le groupe, donc, son belle recette. Et il dit première fois que pas de gens pensent vraiment, il y a des gens qui ont un coup de douette là, ils ont un bon coup de douette, il n'y a pas de gens pensent si sous-commissariat ça, t'es équipé comme ça en munitions.
il y a un gros âme ça est dedans. Donc, monsieur fait recette, il y a la veille. Donc, pas qu'on est. Qui ça, autorité, autorité policière, a fait? Est-ce qu'on va revoir une autre équipe? Ou bien est-ce qu'il y a tout fait manger sous ça? Il y a tout cadenassé le net, définitivement. Parce que présence, n'est pas vraiment utile à la population, hein, parce que monsieur pas de gain moyen, vraiment, pour être réagi face avec comportement, puis c'est zone là, c'est chef qui gère zone là, donc, pas gain l'autre chef encore. Mm-hmm. Et suite à démonstration de force ça, on est gain avenue, puis bon, voice tout qui a circulé, qui montre un échange de principal chef gang qui contrôlait deux zones, ça y est, village de Dieu et gain avenue, moun yo, yo, commencé, gain la pérez encore, hein, moun qui était, à souffle, on souffle, du fait que yo, t'es capable de passer sans problème, dans toute zone, Matissan et, première avenue, yo. Donc, moun yo peur, parce que pour yo pas connaître situation, on est avant, le monsieur, de temps en temps, il a sauté sur route là, parce que pendant un temps là, il a calmé. Mais démonstration, monsieur, au fait là, montré volonté au gagnant pour gagner contrôle grand groupe là. Bon, en plus, nous après, nous avons dit ça dans le titre, il y a eu deux groupes ça, ils ont sauté dans Genève. Donc ça n'avait été pas dans kidnapping. Ça veut dire. Vous dehors pour ça. Est-ce que c'est Genève qui mettait au dehors ou même qui démarquait au de Genève? Mais vous avez dû frapper parce que bon, c'est ça que vous avez dit. Et comment porte-parole là? Et c'est ça le déprodit. Qui est-ce qui est porte-parole? C'est Jean-Michel. Non, il faut poser. Non, pendant des autres, ça. D'ailleurs, ils fait manifestation pour contre kidnapping. Oui. Vous faites une manifestation. Pas seulement manifestation. Kidnapping, il y a des manifestations. Vous demandez révocation. Ministre Affaires sociales, là. Donc, un jour après manifestant, et puis prier à monter Gastadis. Gastadis, c'est très efficace. Ah, oui. Oui. Bon, bah, nous faisons parler avec John Joel Joseph, qui lui-même, c'est ancien sénateur l'Ouest, c'est, qui c'est beau-frère, Edumé, et qui lui-même, c'est un ancien substitut commissaire gouvernement Tigouave. Mais selon information, nous avons gagné, donc nous avons gagné information, fait quoi que nous avons réintégré, mais gagné de l'autre information qui fait quoi. C'est pas ta vraie, donc elle n'est pas sous route pour intégrer encore appareil justice. Non. En tout cas, on a parlé avec John Joel Joseph, qui lui-même souhaite intervenir dans nos familles. Ancien sénateur? Oui. Mm-hmm. John Joel Joseph, bonjour. Bonjour, je suis le guerrier. Bonjour, Bob C. Bonjour, Pierre-Gérard René. Cap, célébrer un nouveau printemps. Que le grand acheté l'univers te bénisse et te protège. Merci, sénateur. Oui. Oui, dis-nous, non, qui ça, nous gagnons comme des dernières informations, comment ça y est, par rapport à Dias, hein, et Dumé, que Bandi a kidnappé mercredi passé. Bon, gagné, je sais, par le fait de saluer tout auditeur, tout ce qui branche, je l'avais eu l'occasion matin. Et ma vie, M. Dias et Dumé, ancien substitut commissaire du gouvernement de Petit-Gouave, et professeur à l'université, professeur CDMO et dans Alliance Tout. Et hier, aux environs de 9h30 pour 10h, l'idée avec les conjoints flics et les déposés et cahier familier dans la zone et de ma 7. Et après, l'idée de pouvoir ramener en bas la ville pour l'acheter aux médicaments. Et pour au pied lui, qu'il guérit, qu'il malade à l'âme. Et après qu'il nous ait l'information qu'il n'a pas de médicaments, ça a dans plusieurs pharmacies que tu dis sous Delma, qui était tenté pour descendre dans la zone de Lucette Honoré, pour l'hôpital général, pour la checker si pas de médicaments. Et à partir des 11h pour arriver midi, donc quand je ne peux pas arriver et contact avec lui, et comme d'habitude, chaque 15 à 30 minutes, il toujours est gêné. Et lui-même, il fait pour devoir, il essaye d'écrire sur WhatsApp. Il joue à 11h et 2, il est online sur WhatsApp. Li. Et puis, il a checké, il écrit, il n'a pas une réponse. À partir de midi, il essaye de lui passer une réponse. Donc, il va le rejoindre sur le téléphone jusqu'à partir de 2h, côté le pas dire qu'il est au camp. Et nous, on n'a pas parlé, nous ne connaissons pas directement.
dans qui zone directement qui ont kidnappé, puisque hier, nous avons plusieurs kidnappings qui fait, qui fait dans Delma 19, dans Delma 31, maintenant, zone, nous sommes capables de dire, entre Roosevelt, Durand et Louis Saint-Honoré, pour ancien consulat ambassade américaine. Donc, nous ne pouvons pas déterminer directement dans la zone qui est kidnappée. Mais, Ravi Cherio, il a pris contact avec Mme Mouet et il a parlé ensemble avec lui. Et tout est fait tendre seulement voir. Elle décide de parler, il n'y a pas rien pour dire encore. Et seulement dire qu'il était le téléphone ni ouvert pour les besoins de vos amis. Donc, jusqu'à cette minute, on parlait là, nous n'avons pas aucune information de la part de M. Abias Ejumé. Nous avons tout informé national et international que M. Abias Ejumé, c'est petit frère et juge Dickinson Ejumé. C'est grand frère juge Dickinson Ejumé, c'est petit frère ancien ministre, docteur Josué Pierre-Louis. Et nous capables de dire, nous tous nous connaissons, tout engagement que Dr Josué Pierre-Louis prend ces derniers temps pour dénoncer, nous sommes capables de dire, des décrets qui fait en dehors de la Constitution. Et nous capables de dire tout, et juge Dickinson Ejumé lui-même, qui c'est un homme qui est chargé un gros dossier et qui s'est appelé l'instruction sur. Et Arnel Joseph, que tout le monde connaît, qui est un criminel de droit, qui est dans la justice, et nous capables de dire, depuis après, le juge Dickinson Ejumé et fin, fait premier, nous sommes capables de dire, et position avec Bandisa, depuis après, et interview Valérie Nima, nous sommes capables de dire, et Maïssa Dickinson, et à vivre sous grosse pression. Donc, il n'a pas parlé, et il n'a pas été intimidé dans le travail, il a été découragé, mais son monde qui a vécu sous grosse pression. Et en plus, lorsqu'il a accepté, comme disait un premier juge, le 7 février 2021, pour avoir dérangé mal des gens d'arriver en pays, mais qu'il a accepté lui-même, descendre dans le CPJ pour la regarder, est-ce que c'est vrai, il a arrêté un juge à la cour de cassation? Il a laissé regarder qui traitement au Bali et il a pu aller intervenir et souper dans les médias pour lui directement de l'Iroué et juge et coup de tentation du Vitel d'Abrésil. Il a pu aller dans qui état qu'il venait. Il a pu aller relater toute l'information qu'il déjeune de lui par rapport avec et frapper qui était frappé.